Bonjour à vous, c'est Josué. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la prière qui est exaucée. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez croire que vous êtes exaucé au moment même où vous priez. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire au moment même où vous demandez la chose à Dieu. C'est à ce moment-là que vous devez croire que Dieu vous a exaucé. Les chrétiens confondent l'exaucement et la manifestation de l'exaucement. L'exaucement et la manifestation de l'exaucement, c'est deux choses différentes. Je prends un exemple. Par exemple, si quelqu'un vous fait un monogramme, d'accord? Quelqu'un vous fait un monogramme. Admettons, vous avez votre enfant qui est en Russie et il vous dit, papa, j'ai besoin que tu me fasses un monogramme. Vous envoyez de l'argent par monogramme. Votre enfant a déjà reçu l'argent. C'est maintenant à lui d'aller retirer l'argent qu'il a déjà reçu. Mais l'argent est là. Votre enfant ne peut pas encore vous dire, envoie-moi l'argent. Vous allez dire à votre enfant, j'ai déjà envoyé l'argent. C'est la même chose dans la prière. Quand vous demandez à Dieu quelque chose, au moment même là où vous demandez à Dieu la chose, Dieu vous le donne. Maintenant, il faut quoi? Il faut attendre la manifestation dans la foi. Un jour, il y a un homme de Dieu et il voulait être propriétaire d'une maison. Et tous les jours, il priait. Tous les jours. Donc, chaque soir, il venait avec sa femme. Et il disait, oh Seigneur, on veut être propriétaire de cette maison. Donne-nous cette maison. Donne-nous cette maison. Donne-nous cette maison. Mais rien ne se passait. Le lendemain, il vient encore. Oh Seigneur, donne-nous cette maison. Donne-nous cette maison. Rien ne se passait. Et un jour, parce que cet homme de Dieu-là, c'était l'ami de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin va venir le voir. Et son ami, bon, l'ami de Kenneth Hagin, il va dire à Kenneth Hagin que non, Kenneth, franchement, frère Kenneth, moi je ne comprends pas, je ne fais que prier parce que je vais être propriétaire d'une maison. Mais ça fait 5 ans que je prie, on ne voit aucun résultat. Et Kenneth Hagin lui a dit, c'est normal que tu ne vois aucun résultat parce que c'est au moment où tu pries que tu dois croire que Dieu t'a exaucé. Et c'est là que l'ami de Kenneth Hagin a compris ça. Et il a dit, bon, ok. Donc il s'est retrouvé avec sa femme, ils se sont mis à genoux et ils ont prié. Et ils ont dit, Seigneur, on va être propriétaire d'une maison. Et au nom de Jésus, on te remercie. Et maintenant, chaque fois qu'ils revenaient se mettre à genoux, ils ne venaient plus demander à Dieu de leur donner une maison. Ils ne venaient plus dire à Dieu, Dieu, on veut être propriétaire d'une maison. Au lieu de venir devant Dieu pour demander la même chose, ils remerciaient. Ils remerciaient. Au bout de 1 an, ils ont été propriétaires. Donc, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est ça qu'on a enseigné. On leur a dit, écoute, Dieu, il faut continuer à prier. Il faut persévérer dans la prière. Et quand tu persévères dans la prière, un jour, Dieu va te donner ce que tu veux. Vous savez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les prières de consécration. C'est quoi les prières de consécration? Les prières de consécration, c'est lorsque vous priez pour les choses qui concernent votre cœur. Là, vous pouvez prier de ça. Prier, vous pouvez faire ce genre de prière tout le temps. Par exemple, si je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à vivre dans la sanctification. Je peux faire cette prière tous les jours. Seigneur, aide-moi à vivre dans la sanctification. Aide-moi à vivre dans la sainteté. Si je dis, Seigneur, aide-moi à marcher dans l'amour. Je peux faire cette prière tous les jours. Parce que ça, c'est une prière qui concerne mon cœur. C'est pour ça, quand vous regardez la Bible, Jésus va dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il a fait cette prière à 3 reprises. Pourquoi? Parce que c'était une prière de consécration. Il voulait que son cœur soit à Dieu. Mais maintenant, quand il s'agit de changer les choses, quand par exemple vous voulez une voiture, quand par exemple vous voulez tomber enceinte, quand par exemple vous voulez un nouveau travail, vous n'allez pas venir tous les jours demander la même chose à Dieu. Quand vous demandez à Dieu, au moment même où vous demandez, vous devez croire que vous avez déjà reçu. Vous savez, une fois, je me rappelle, il y avait une dame qui m'avait contacté parce qu'elle était malade. Elle m'avait dit, oui, Josué, ça ne va pas, je suis malade, j'ai besoin que tu pries pour moi. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu vois cette sœur, aide cette sœur, accorde-la la grâce. Et après, elle m'a contacté. Elle m'a contacté quelques heures après. Elle m'a dit, le malaise est parti. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que quand vous priez, vous devez savoir que ce que vous avez demandé à Dieu va se produire. Quand vous venez devant Dieu et vous dites à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture, vous devez avoir dans votre cœur le témoignage que ce que j'ai demandé, ça va se produire. Vous savez, je me rappelle, il y a de cela 1 an, j'avais eu un problème avec la porte de chez moi. Le verrou de la porte de chez moi ne marchait plus. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, fais en sorte que le verrou de la porte fonctionne bien. Je ne connais pas le problème, mais s'il te plaît,
fait en sorte que le verrou de la porte fonctionne bien. Et à l'intérieur de moi, je savais que je suis exaucé. Je savais que j'ai la réponse. Et je suis parti. 4 jours plus tard, sans que je ne comprenne comment, le verrou de ma porte fonctionnait maintenant correctement. Donc, c'est ça la prière. Quand vous priez, pendant la prière, vous devez avoir cette assurance en vous-même que ce que j'ai demandé à Dieu, ça va se produire. Ce que j'ai demandé à Dieu, ça va se faire. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que lorsqu'ils prient, ils n'ont pas cette assurance en eux-mêmes. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu, il était avec un frère. Ils étaient à une croisade d'évangélisation. Et l'homme de Dieu a dit à son frère en Christ, que moi je vais prier Dieu afin que 100 personnes puissent donner leur vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu es capable de croire ça? Et le frère a dit, oui, je crois que je suis capable. L'homme de Dieu lui a dit, si tu sais toi-même que tu n'es pas capable de croire ça, je vais diminuer. Le frère a dit, je suis capable. Et ils ont prié et ils ont été exaucés. Donc c'est ça le problème. Quand vous priez pour quelque chose, vous devez savoir vous-même que ça va se produire. Ne priez pas pour quelque chose que vous savez que vous-même, vous ne pouvez pas croire. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez vous-même vous poser la question que ce que je suis en train de demander à Dieu, est-ce que je suis capable de croire qu'il va m'exaucer? Est-ce que je suis capable? Vous savez, une fois, je me rappelle, ma mère a eu des problèmes de tension. Elle a eu, si c'est 24 ou 25 de tension, je ne sais pas. Elle m'a appelé, « Oh Josué, ça ne va pas, ça ne va pas. » On l'a emmené à l'hôpital. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, la grâce de Dieu. Ma mère sort de l'hôpital, elle est en bonne santé. Et je suis parti, j'ai suivi la télé. Mon frère m'a dit, il m'appelle. Ah, mais Josué, tu ne pries pas. J'ai dit, non, j'ai pas besoin de prier, elle va sortir de l'hôpital. Pourquoi? Parce que pendant que j'étais en train de prier, je savais moi-même que la prière que je suis en train de faire à Dieu, ça peut se produire, ça va se produire. Donc, vous devez être capable de savoir que ce que je demande à Dieu, ça va se produire. Si vous êtes en train de prier et que dans votre cœur, vous n'avez pas l'assurance que ce que vous demandez à Dieu va se produire, ça ne se produira pas. C'est pour ça que vous voyez que l'apôtre Jacques, quand vous lisez le livre de Jacques, l'apôtre Jacques va dire que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Cela veut tout simplement dire que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, dans votre cœur, vous devez avoir l'assurance que ce que vous demandez à Dieu, ça va se faire. Par exemple, si vous demandez à Dieu une voiture, pendant que vous demandez à Dieu la voiture, vous devez avoir l'assurance en vous-même que ce que vous demandez à Dieu, ça va se faire. Vous savez, un jour, il y a un frère qui m'a contacté parce qu'il avait un proche à lui qui était à l'hôpital et on devait lui faire l'opération. Et il me dit, non, Josué, je vais prier pour qu'il soit guéri. Et moi, je lui ai dit, est-ce que tu as suffisamment de foi? Est-ce que tu es capable de croire que ta prière va faire en sorte qu'il soit guéri? Est-ce que tu es capable? Il a dit, non, Josué, en fait, en vérité, j'ai des doutes. J'ai dit non. Donc, ne prie pas. Je lui ai dit ce que tu peux faire comme prière. Tu peux prier afin que l'opération se passe bien. Et c'est la prière qu'il a faite. Il s'est mis à genoux et il a prié. Il a dit, Seigneur, je te prie que l'opération se passe bien. Que l'opération qu'on va faire à mon frère se passe bien. Et l'opération s'est bien passée. Pourquoi? Parce que lui-même, il savait que la prière que je suis en train de faire, ça va se produire. Donc, quand vous priez Dieu, est-ce que vous savez dans votre cœur que la prière que je suis en train de faire va se manifester? Est-ce que vous savez? Seigneur, donne-moi une maison. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous savez dans votre cœur que ce que je suis en train de demander à Dieu, Dieu va me le donner? Parce que le problème, c'est qu'il y a des chrétiens, ils demandent des choses à Dieu, mais il demande un peu comme ça. Non, il faut que quand vous demandez la chose à Dieu, en même temps que vous êtes en train de demander la chose à Dieu, dans votre cœur, vous arrivez à savoir que je possède la chose. Seigneur, je veux me marier cette année. Et dans votre cœur, vous sentez que, oui, je vais me marier cette année. Mais si vous priez, Seigneur, je veux me marier cette année, et vous doutez, vous n'allez pas avoir la chose. Pendant que vous priez, vous devez croire que ce que vous demandez à Dieu va se produire. Et ça se produira. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si vous progressez spirituellement grâce à mes enseignements, vous pouvez faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.